c'est une vieille histoire puisque le Charaban va fêter ses 50 ans l'année prochaine. Nos parents ont créé cette maison en 1971. Ils avaient fait de la jeunesse agricole catholique tous les deux et ils avaient eu une conférence une année sur la future civilisation des loisirs. Pour les ruraux, ça pouvait être une opportunité de se lancer dans le tourisme en milieu rural. Donc ils se sont dit, allez, allons-y, c'était parti pour une belle aventure. Et donc il y a une partie chambre d'hôte donc, qui elle s'est développée dans les années 90 avec l'achat d'une ferme donc, au bout de la prairie qu'on a rénovée pour en faire un musée paysan et des chambres d'hôte. Moi j'ai racheté par la suite l'ensemble pour développer à la place du musée des gîtes. Donc au Charaban, on est dans une grande vallée de 25 hectares, on peut y manger principalement. Après nos travaux de 2018, nous avons agrandi notre potager dans la vallée. Et pour faire un peu de pédagogie, pour dire que de produire, c'est du travail. Et nous avons embauché Emma Leny, qui est une chef anglaise et qui a à cœur de mettre en valeur tous les produits du jardin. Et c'est vrai que pour un cuisinier, pour un chef, d'aller chercher ses légumes le matin dans le potager et de les travailler après, c'est génial. On le dit toujours, quoi. On dit qu'on est un phare un peu dans la vie des gens. Quand les gens arrivent et que Jeanne Noël les reconnaît par leur prénom, par leur nom, on sent que les gens, ils arrivent, ils sont à la maison, quoi. Ils reviennent à la base. On est en famille. On est en famille, ouais.